Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons donc avec la table ronde sur les atouts du tourisme en montagne. Alors, juste avant d'inviter tous les intervenants à me rejoindre sur scène, petite piqûre de rappel avec ces chiffres et ces images. Chaleureusement, monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne ainsi que madame Frédérique Lardet à nous rejoindre sur scène. Nous allons également demander à madame Marie-Noëlle Battistel, monsieur Alexandre Molin, monsieur Benjamin Ferniaud, monsieur Louis Ferré et monsieur Jean-René Tchégaret de nous rejoindre sur scène. Bienvenue, installez-vous. Bonjour à tous, installez-vous, il fait chaud, nous avons heureusement quelques petites bouteilles d'eau à vos pieds, je tiens à le préciser pour qu'on soit bien à l'aise. Monsieur le ministre, merci infiniment d'être présent avec nous. Alors, vous êtes notre grand témoin, vous allez intervenir au fil de l'eau et puis on aura le plaisir de vous entendre plus longuement pour les conclusions, mais n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Madame Frédérique Lardet, vous êtes députée de la Haute-Savoie, vice-présidente de l'ANEM, vous êtes également le grand témoin de cette table ronde. Alors, on vient de le voir à travers le film, le tourisme en France compte pour beaucoup et la montagne fait partie intégrante, on peut le dire, de notre tourisme. Tout à fait. Tout d'abord, cher monsieur le ministre, cher Jean-Baptiste, merci en tout cas encore une fois pour être présent parmi nous aujourd'hui à ce 35e congrès de l'ANEM. Donc quand les chiffres sont bons, je pense qu'il est important de les rappeler. On les a vus tout à l'heure. Le tourisme en France, c'est près de 170 milliards d'euros de recettes, dont 56 milliards provenant de la clientèle touristique internationale et 82 millions de touristes. Au niveau clientèle international, donc important chiffre important à rappeler, puisque nos objectifs en matière de, au niveau du Conseil interministériel du tourisme, c'est d'atteindre d'ici à 2020 100 millions de touristes. Donc la trajectoire est déjà lancée. Alors maintenant, quand on a parlé au niveau de ces chiffres, c'est pas simplement quantitatif, c'est aussi comment on peut accueillir le client mieux en matière d'accueil, en matière de compétences professionnelles aussi. On en reparlera tout à l'heure. Donc il y a tout un environnement économique et un écosystème à mettre en place pour faire en sorte que le tourisme, qui n'est pas un dû, parce qu'on a bien souvent en France l'idée de dire la France est un territoire magnifique, multiple, varié, et donc où le tourisme vient de lui-même. Mais ce n'est pas du tout, il faut aussi savoir le fidéliser, et c'est tout l'enjeu que nous allons avoir au cours de ces prochaines années. Alors maintenant, en termes de montagne, on a cherché. Il y a un chiffre qui est apparu, mais qui n'est pas forcément le bon. On a cherché, et ce chiffre date de 2002. Les 9 milliards qui ont été présentés ici, monsieur le ministre Jean-Baptiste, il faut savoir que depuis 2002, rien n'a été quantifié. Heureusement, Alexandre Molin, juste à côté de moi, quantifie les recettes touristiques en stations de montagne, qui sont évaluées autour de 10 milliards d'euros, tu pourras le rappeler. Mais sur le tourisme de montagne au sens large, il y avait un chiffre annoncé par Atout France en 2002 qui représentait et qui situait le tourisme de montagne en termes de recettes à hauteur de 15% du chiffre d'affaires du tourisme national. Aujourd'hui, il est difficile de l'évaluer. Donc, première clé importante, comment déjà prendre
avoir une bonne vision de ce que représente en termes de recettes le tourisme en montagne. Alors, une fois cela dit, heureusement, on a un certain nombre d'atouts en montagne qu'il va falloir s'attacher à valoriser pour aller au-delà de ces 15% de parts de marché. Nous avons au sein de nos montagnes, bien évidemment, le ski, mais pas que. Il y a un business important à développer l'été, on en reparlera tout à l'heure. Nous avons du patrimoine, de l'agriculture, des industries. Et donc l'idée, c'est de savoir comment on peut, avec tous ces facteurs, tous ces atouts, attirer plus de clientèle, aussi bien l'été que l'hiver. Alors ensuite, c'est comment les accueillir, puisque nous devons être vigilants sur la problématique de tourisme de masse. Et donc comment faire en sorte, et Marie-Noëlle en touchera deux mots et donnera sa vision, comment faire en sorte que ce tourisme que l'on souhaite développer sur le territoire français soit durable, voilà, et rentable bien évidemment. Donc voilà un petit peu le schéma posé, et donc on va laisser la parole à chacun des interlocuteurs pour nous donner un petit peu leur vision, et à Monsieur le Ministre pour donner sa vision propre du développement du tourisme en montagne. Merci beaucoup Frédéric Lardet. Monsieur le Ministre, sauf intervention de votre part, je vous propose de passer la parole à Madame Marie-Noëlle Battistel. Vous êtes députée de l'Isère, ancienne présidente de la NEM. Comment se porte, selon vous, le tourisme de montagne, en montagne ? Eh bien, bonjour à tous, tout d'abord, pour chacune et chacun que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Alors, le tourisme en montagne, à la fois la petite vidéo et ma collègue qui vient d'intervenir à l'instant, montrent que le tourisme se porte plutôt bien et qu'en France, nous avons la chance, mais ça se travaille et c'est pas venu tout seul, comme Frédéric le disait à l'instant, d'avoir une activité touristique forte et un pays attractif en matière touristique. Alors, peut-être que moi, je vais parler de plusieurs points qui, à mon sens, sont soit des points de vigilance, soit des points à travailler encore pour qu'on consolide cette activité touristique, puisque économie touristique, ça veut dire aussi emploi touristique. Et emploi touristique veut souvent dire saisonnalité, pluriactivité. Et là, on a encore une vraie question et on bute sur une organisation, la saisonnalité. Quand on parle d'emploi, ça ne vient pas à l'esprit de tout le monde. C'est un peu comme dans l'hémicycle quand on parle de la montagne. Eh bien, ça ne fait pas tilt à tout le monde tout de suite. Eh bien, la saisonnalité, c'est une partie de l'économie française avec la pluriactivité qui permet dans beaucoup de montagnes de garder des emplois locaux sur place. Par exemple, puisqu'on a Domaine Skiable de France ici, et puis on a Éric Brèche, le président du syndicat des moniteurs. Il y a des personnes qui travaillent à la fois sur les remontées mécaniques et qui sont agriculteurs par ailleurs, ou qui ont un autre petit emploi, ou alors qui sont moniteurs de ski et qui sont agriculteurs. Et s'ils n'avaient plus cette activité touristique, eh bien, ils n'auraient plus l'autre activité parce qu'elle n'est pas suffisamment forte pour leur maintenir un salaire à l'année. Et puis, il y a aussi d'autres emplois dans le bâtiment, etc., qui en font des plus réactifs et on bute encore aujourd'hui sur une organisation pérenne et des emplois durables, comme les CD2I. On avait beaucoup travaillé là-dessus sous le précédent mandat, mais malheureusement, on n'y parvient pas véritablement parce qu'on bute sur la question des conventions collectives, qui sont quand même très différentes entre le transport et le bâtiment, entre le bâtiment et l'hôtellerie. Et je crois que là, il y a un vrai sujet pour pérenniser les emplois durables. Alors, il y a des entreprises qui font ça très bien déjà et qui essaient de fidéliser leurs employés, d'abord parce que c'est une question de maîtrise du métier et puis de sécurité. Alors, chez Domaine Skiable de France, il y a aussi Poma, qui est une belle entreprise qu'on connaît bien en France et qui s'exporte par le monde, et qui fait travailler dans ses ateliers des personnes qui travaillent l'hiver sur les pistes. Donc voilà, donc ça c'était une question très importante. Je voulais également parler du tourisme industriel parce que dans nos vallées, on a très souvent des berceaux de l'industrie, soit métallurgique, soit hydroélectrique. Alors bien sûr que chacun ici s'étonnerait que je ne prononce pas ce mot, puisque c'est un attachement très fort que j'ai, mais le tourisme industriel se développe de plus en plus. Les visites d'ouvrages hydroélectriques ou d'industrie dans les fonds de vallée sont aussi des enjeux touristiques importants. Il y a des collectivités qui font des chemins
je crois qu'il y avait en Savoie, il y a le chemin de l'hydroélectricité, et puis dans d'autres vallées, il y a le chemin de la métallurgie. Et je crois que c'est aussi un des piliers du tourisme qu'il faut conforter. Et puis peut-être finir sur la question de la durabilité du tourisme en montagne, et évidemment évoquer, puisque on n'en a jamais autant parlé, même si la conscience est forte depuis quelques années, de l'évolution climatique. Pourquoi en parler ? Parce que la montagne, c'est la sentinelle de l'évolution climatique, et c'est aussi elle en est aussi la première victime. Donc il est de la responsabilité de tous ici et chacun d'entre nous d'avoir des politiques de développement qui sont à la fois respectueuses de l'environnement, mais qui veillent à ce qu'on ait des consommations réduites, des réserves d'eau qui sont utilisées à des bons moments. Et ça, je crois que chacun commence à le faire de manière très très forte, et c'est une bonne chose, parce que de ça dépend quand même l'activité touristique de demain. Donc il est effectivement très important d'avoir ce regard vertueux sur les ressources de la montagne, qui sont nombreuses mais qu'il faut préserver. Merci beaucoup. Alexandre Molin, vous êtes président de Domaine Skiable de France. On le sait, en ce qui concerne les stations de ski, la concurrence est vraiment très sévère, notamment avec les stations européennes. Quels sont les ingrédients qui peuvent nous amener à être numéro un mondial ? C'est quand même notre rêve, on est d'accord ? Alors, je pense que ce serait très bien de redevenir numéro un, une place qu'on a occupée pendant très longtemps. Mm-hmm. Mais déjà, pour accueillir des touristes, il faut avoir des lits. Aujourd'hui, depuis des années, la France perd 30 000 lits touristiques en zone de montagne chaque année. 30 000 lits touristiques qui sortent du cycle de gestion. Si vous faites ça sur 10 ans, c'est 300 000 lits en moins. À 50 journées skieurs chacun, je vous laisse faire les calculs, ça va très vite. Et on perd de nos possibilités d'accueillir des clientèles internationales sur des périodes creuses, en devant refuser sur ces périodes des personnes. Donc aujourd'hui, on a un problème de compétitivité. Les Autrichiens ont construit et permettent de conserver une exploitation professionnelle des lits tout au long de la vie de la station. Aujourd'hui, nous devons, comme je l'ai dit à notre congrès, à Monsieur le Ministre, c'est bien, il faut réhabiliter les lits froids, il faut les rouvrir, mais il faut aussi pouvoir accompagner des projets d'ensemble qui ne soient plus vendus à des particuliers, qui soient portés par un ensemble collectif sur les stations, pour que ça devienne des outils de travail des stations. Car on n'y arrivera pas autrement. Si on ne peut pas accueillir, on pourra faire toute la promotion qu'on veut. Si on ne sait pas répondre, ce sera difficile. Deuxième point aussi très important, c'est les nouvelles clientèles. Je pense que quand on se déplace en France, tout le monde nous dit « j'ai appris à skier en classe de neige ». Malheureusement, les classes de neige, il y en a de moins en moins. Le contexte est très difficile. Les finances des communes ne le permettent pas forcément. Et aujourd'hui, et je vais peut-être choquer un peu, il y a aussi un manque de motivation de certains d'organiser ce type d'événement. Sur le département de la Savoie, on a une initiative avec le conseil départemental qui offre les bus, les moniteurs qui offrent les cours, les exploitants, on offre les forfaits, et les loueurs offrent les skis. Tous les élèves de 4e, 5 jours de ski par an. On est passé de 14 000 journées données à seulement 9 000. Et pourtant, ce n'est pas un problème de coût, puisque tout est offert. Voilà. Après, je vais rebondir sur ce que disait Frédéric. On n'a pas de chiffres. Le seul chiffre qui nous permet de connaître notre activité de la montagne sur l'hiver, c'est l'étude qui avait été faite avec la Caisse des dépôts et Atout France, de dire que chaque fois qu'il y a un euro investi dans un forfait de ski, c'est 6 autres euros qui sont investis sur le territoire. Aujourd'hui, pour pouvoir piloter, il faut qu'on ait des éléments. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus d'éléments et pas seulement d'une étude qui date de 2002 pour connaître à peu près notre part d'activité. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez réagir ? Est-ce que, par rapport à ce qui vient d'être dit, déjà, je vois... Oui, une main se lève. Est-ce qu'on peut amener le micro ? Merci beaucoup. Et je vais vous laisser vous lever, monsieur, et vous présenter, s'il vous plaît. Brito Morel. Je suis élu de la commune du Tampon à l'île de la Réunion, donc à 10 000 km d'ici. Bienvenue. C'est la troisième année. Et j'attends avec impatience de voir l'ANEM se déplacer à la Réunion. Nous aussi. Pour venir visiter notre île. L'année prochaine, je note. Donc moi j'habite une île où le point culminant est à 3069 mètres, donc bien une île de montagne. Une île où 80% du territoire est classé parc national et aussi patrimoine mondial de l'UNESCO.
mais malheureusement, le tourisme ne peut pas se développer parce que la loi montagne qui est peut-être ici appliquée n'est pas adaptée à l'outre-mer. Je m'explique. Si on est patrimoine mondial avec Python et Rempart, ça veut dire qu'il y a des endroits où on ne peut pas facilement y aller à pied, donc il nous faudrait l'hélico. Et malheureusement, autant on comprend, puisqu'on vient de terminer, nous, communes, un très gros chantier de captage de sources où nous avons des oiseaux endémiques, où on ne peut pas survoler les sites de ces oiseaux pendant la période des pontes et des couvaisons. Donc, nous avons scindé notre chantier sur 2 ans, alors qu'on aurait pu faire sur 8 mois. Eh bien, malheureusement, autant nous imposer ces textes, mais autant il faut aussi avoir une certaine flexibilité pour que la Réunion, qui est malheureusement une île qui produit de la canne à sucre, et nous savons aussi que cette fameuse canne à sucre ne va plus avoir l'aide de l'Europe, et il faut trouver autre chose. Et le tourisme, c'est une bonne... Le tourisme, qui est aujourd'hui notre deuxième point d'entrée financier, eh bien, ce tourisme, il est bloqué. Il est bloqué parce que l'année dernière, M. le ministre Cornu parlait de décentralisation ou qui avait été prévue en 86 avec quelque chose de très large. Et malheureusement, cette décentralisation est en train de se concentrer. Et on prend beaucoup, beaucoup de temps pour sortir des projets. Le tampon, la commune que j'habite, et la porte du volcan, même si le volcan n'est pas sur son territoire, mais la commune du Tampon est la porte du volcan. La seule façon d'y arriver à ce volcan, c'est d'emprunter la route forestière qui part de la plaine des Caves, donc de mon village, pour arriver au volcan. Monsieur, pardonnez-moi, je vais vous demander d'être un petit peu plus concis. Je suis désolée parce qu'on est nombreux. Donc, nous avons un très gros projet touristique qui va créer 500 emplois dans une commune qui compte 18 000 chômeurs, 86 000 habitants. Eh bien, nous avons les lenteurs de l'administration, avec un grand A, qui freinent ce projet. Alors, merci de m'avoir Merci pour votre témoignage. Madame Genevard, est-ce qu'on peut amener le micro à Madame Genevard, s'il vous plaît, juste devant. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais dire à notre collègue de La Réunion que nous adorerions organiser le congrès à La Réunion, d'autant qu'avec Marie-Noëlle Battistel, qui était à l'époque présidente, et moi, nous sommes allés faire un séjour à La Réunion et que nous avons été absolument enchantés, que nous aimerions faire profiter à tous de cet enchantement de ce territoire merveilleux qu'est La Réunion. Mais voilà, il faut qu'on vérifie que les collègues ont les ressources nécessaires pour pouvoir, ou alors on demande une subvention exceptionnelle. Monsieur le ministre. En tout cas, vraiment, ça, vous le méritez, ça, c'est incontestable. Vous dire aussi que la question des classes de neige, c'est un dossier que, je pense, nous allons travailler de façon très active, notamment avec notre association, je dirais, amie, qui est la NMSM, avec des partenaires comme DSF, parce qu'on se rend bien compte que les classes de neige sont un élément déterminant pour acclimater à la montagne. Je voudrais saluer de ce point de vue-là l'initiative de la région Auvergne-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, excusez-moi. J'ai vu dans la publication ou sur les réseaux sociaux que la région Auvergne-Rhône-Alpes relançait les classes de neige. Et je pense que c'est une initiative extrêmement intéressante et qui rejoint la préoccupation exprimée par Alexandre, qui est tout à fait juste. Merci beaucoup. D'autres réflexions peut-être ? Est-ce que vous voulez réagir ? On écoute peut-être d'autres... On a d'autres interventions. Monsieur, vous leviez la main. Alors, je rappelle la règle, hein, c'est un petit peu bref pour qu'on ait tous l'occasion de s'exprimer. Oui, oui, je serai bref et je rentrerai en métropole, si vous voulez bien, malheureusement. Jean-Marie Binetruy, président de la communauté de communes du Val-de-Morteau. On a évoqué donc les freins à l'apprentissage du ski qui font que, finalement, les clientèles
se font de plus en plus rares. Et je voudrais donc, en tant que président d'une communauté de communes qui gère quelques téléskis dans le massif du Jura, dans le centre du massif du Jura, évoquer la question de l'enseignement du ski. Il y a des moniteurs de ski présents ici, mais dans les petites stations, on a 50, 60 jours de neige, bon, des fois 80, 90, des fois 20. On a énormément de difficultés à voir des enseignants et à trouver des personnes qui sont susceptibles, dans des conditions correctes, d'initier non seulement les jeunes, mais les touristes qui viennent chez nous à la pratique du ski. Et je pense que c'est là que ça commence. Et si on veut des clients dans nos belles grandes stations qu'on aime bien, il faut commencer par aider l'enseignement du ski, trouver une solution pour permettre l'enseignement du ski dans ces stations de moyenne montagne. Merci, monsieur. Madame. Marie-Paul Gay, je suis maire d'Aubure, la plus haute commune d'Alsace. Alors moi, je parlerai pas seulement classe de neige, classe verte, parce que la neige, oui, mon nom, on n'en a plus beaucoup, hein, faut dire quand même, il y a le réchauffement climatique pour les moyennes stations. Et puis, les enfants ne savent plus du tout ce que c'est que la nature. Et après, nous arrivons sur un gros problème d'éducation à l'environnement, au respect des chemins forestiers, au respect de la végétation. Tout ça, c'est un gros problème. Alors, pourquoi les enseignants ne viennent plus ? C'est administratif, avec des règles pas possibles, avec des réglementations, mais on a l'exemple d'une directrice d'école qui s'est suicidée, c'est pas pour rien. Je veux dire, moi-même je suis enseignante et je peux vous dire simplement que je regarde à deux fois pour pouvoir partir en classe verte. J'ai une collègue qui veut partir en classe verte, la commune où j'enseigne, son maire ne donne pas d'argent. Donc, parce qu'il n'a pas de sous pour ça, parce qu'il met des sous ailleurs. Donc, on arrive sur des priorités, mais c'est important. On ne peut pas demander aux parents de payer trop cher. Il y a le département qui aide encore, ça c'est en Alsace. On a des classes, donc on a des centres, les centres PEP, mais il faut simplifier. Il faut simplifier et il faut favoriser et aider financièrement à pouvoir sortir. Parce qu'une semaine de classe verte, c'est une année de cours, hein. Merci, madame. Oui, monsieur. Allez, une dernière intervention. Le micro. Alors. Non, bonjour. Et ensuite, on vous passera le micro. Jean-Bernard, maire d'une commune à Hautes-Alpes, Baratier. Donc, il vit sur les Hautes-Alpes, vit beaucoup du tourisme. Je crois que c'est 40% du PIB. Le président du département, vous pourrez vous le dire. Voilà, grosse inquiétude au niveau touristique. Je crois que demain, il y a une table ronde sur le pastoralisme. C'est la présence des chiens de berger sur nos chemins de randonnée. Nous avons 300 alpages. Nous avons un territoire extraordinaire au niveau de tous les chemins qui sont magnifiques. Et là, nous avons de plus en plus de problèmes confrontés donc avec le loup, bien sûr, sur les troupeaux de moutons, mais surtout avec les chiens de protection, qui sont les patous, et depuis peu, depuis 3-4 ans, avec les bergers d'Anatolie, qui sont de véritables tueurs. Donc je dis attention, il y a des gens qui, chez nous, ne veulent plus venir en montagne, et qui... Vous avez une région magnifique, mais nous, on en a marre de se faire mordre les fesses, ou que ce soit à pied ou en BTT. Et un jour, inévitablement, je ne le souhaite pas, mais il y aura un drame avec ces chiens de protection. Merci, monsieur. Alors, je rappelle que demain, nous avons une table ronde qui est consacrée sur l'agropastoralisme. Madame Matissel, vous souhaitiez réagir peut-être rapidement ou on garde tout ça pour demain aussi, comme vous le souhaitez. Renvoyer sur la table ronde de demain, mais faire le lien évident avec le tourisme aujourd'hui parce qu'on y est confronté de manière très, très forte. Il y a un certain nombre d'élus qui m'ont fait part cet été de la prise d'arrêté de fermeture au public des sentiers de randonnée parce qu'elle menait aux alpages et que dans les alpages il y avait des patous et il y avait un accident tous les jours avec des morsures sur les randonneurs. Donc c'est véritablement un vrai problème. Il y a un moment, on est évidemment sur la protection de la biodiversité, mais le pastoralisme c'est aussi la biodiversité. Le pastoralisme c'est l'entretien des paysages et permettre aux touristes, et c'est là où c'est
c'est véritablement extrêmement lié aux touristes de venir découvrir nos paysages, mais c'est aussi la protection contre les incendies, c'est aussi la protection contre les avalanches et l'entretien des domaines skiables pour l'été. Donc c'est effectivement un lien qui est très fort et je suis très contente que demain on puisse avoir cette table ronde parce qu'elle est très liée avec celle d'aujourd'hui. Elle sera animée d'ailleurs par Jeannine Dubier, la secrétaire générale, et qui est confrontée à un autre prédateur puisqu'il y a à la fois le loup qui est plus connu dans un certain nombre de territoires et puis il y a l'ours qui commence également à faire des dégâts plus particulièrement ici. Et je crois qu'il faut vraiment avoir cette prise de conscience parce qu'il y avait très peu de départements touchés, donc quand on en parlait, eh bien bon voilà, allez, c'est quelques petites attaques, il n'y avait pas une prise de conscience généralisée. Aujourd'hui le loup arrive dans quasiment tous les départements et là je crois que ça va entraîner des prises de position peut-être plus fortes, mais il y aura demain le préfet coordonnateur qui en parlera beaucoup mieux que moi, mais en tout cas c'est effectivement un lien très fort avec le maintien du tourisme en zone de montagne. Merci beaucoup. Frédéric Lardet, vous souhaitiez réagir? Oui. Alors, il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre de pratiques nouvelles qui se développent en montagne, et d'ailleurs pour le bien du tourisme en montagne. Donc, on parle par ici du patou, mais chez nous, enfin chez moi en Haute-Savoie, des chasseurs qui peuvent poser problème pour certains trailers, puisque effectivement le trail et la course en montagne est de plus en plus pratiqué dans nos montagnes. Et donc la question aujourd'hui sur laquelle il faut se poser, c'est comment on arrive à se partager le territoire, pas les uns contre les autres, mais comment on arrive à les uns avec les autres, comment on arrive à se partager cette croissance économique d'un territoire montagne au travers du développement du tourisme. Merci beaucoup. Éric Brecht, le président du syndicat national des moniteurs, je voudrais répondre à monsieur. Lundi soir, j'étais dans les Vosges, col de la Chlourte exactement. D'un côté, il y a les Vosgiens, de l'autre côté, il y a les Alsaciens. Et il y avait tous les directeurs des ESF. Il y avait deux proviseurs de lycée, du côté vosgien et du côté alsacien. Il y avait la direction régionale de jeunesse et sport. Il y avait les exploitants en remontée mécanique. Et il y avait des CTS aussi. Et j'ai pu remarquer à quel point tout le territoire s'est mobilisé pour essayer justement de faire voir tout ce que le territoire transpire, c'est-à-dire la neige, l'eau et la montagne. Et c'est exactement les trois pôles qu'il y a chez le proviseur de Gérardmer, le pôle montagne, le pôle ski et le pôle nautique. Et là, j'ai pu voir à quel point ce territoire s'est bougé tous ensemble et qui fait qu'à un moment donné, ça forme des jeunes pratiquants, d'une part pour la pratique et d'autre part qui sont des futurs moniteurs. Le chiffre qui m'a été donné, 70% des jeunes restent sur le territoire. Et là, j'en viens tout trouver à ce qui se passe au niveau des classes de neige. C'est pendant 10-15 ans, on a peut-être tous failli aussi à un moment donné, parce que le commerce a un peu pris le pas et qu'on en a oublié un peu nos fondamentaux, que de justement continuer à prodiguer ce qu'il faut faire pour que la pratique continue à se développer. On est capable d'aller en Chine chercher des clients et on a du mal à faire skier nos gamins des vallées. Donc c'est quand même une des missions que j'ai au niveau régional pour que justement chaque région, ça l'a été dit en préambule de l'ANEM, que justement on fasse remonter les problématiques de chaque région. C'est mon travail. Aujourd'hui, il y a Olivier Goren, le directeur de l'ESS de Forambeu, qui est en charge de tout le massif où nous sommes actuellement. Il a commencé une première réunion. On va le soutenir. J'ai mis en place une ESF Académie justement pour les soutenir et dire comme quoi les choses sont belles. Parce que bien souvent, on parle que des charges, on parle que des problèmes, mais on parle jamais de ce qui va bien. Et à un moment donné, si on a un discours un peu plus positif les uns les autres, je pense que dans nos territoires, on arrivera aussi à faire un peu plus de belles choses. Merci. Merci beaucoup. Une dernière intervention, monsieur, et ensuite on va passer du côté de la promotion. Monsieur, oui, levez bien la main, levez-vous, comme ça on saura. Voilà. Pour le micro, le monsieur qui est debout. Voilà, le micro arrive derrière vous, monsieur. Merci. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Oui, Jean-Monique, le maire de la station la plus haute des Pyrénées françaises, Puy-en-Galie. Je voudrais revenir sur un des aspects de l'intervention du président de DSF, notamment sur la nécessité d'augmenter le nombre de lits et de lits commerciaux. C'est le cas de notre station, même si elle aussi est internationale, puisque 30% de sa clientèle vient de l'Espagne. C'est vrai qu'on est aux portes de l'Espagne. Mais quand nous avons voulu démarrer des constructions de lits commerciaux, nous sommes trouvés, malgré la réhabilitation, la requalification avec un grand architecte, Jean-Michel Villemotte, dans l'impossibilité de dégager, monsieur le ministre, des fonds publics, ni de l'État, ni de l'Europe. C'est la première fois
depuis des nombreuses années que nous trouvons dans cette situation. Et il a fallu construire 30 lits de bon niveau, de bonne qualité, tout seul en mairie, dans une commune Sirte, avec quelques moyens, mais de 250 habitants, et ils vont être ouverts ces jours-ci. Donc il est absolument urgent de pouvoir organiser entre l'État et les régions et la Caisse des dépôts des foncières qui prennent en compte cette nécessité, parce que sinon, nous n'aurons pas d'opérateurs pour pouvoir construire et gérer des résidences ou des hôtels à long terme sur des saisons, bi-saisons ou quatre saisons comme est la nôtre, entre deux pans nationaux, un français et un espagnol. Merci. Merci, monsieur. Se pose la question du modèle, je pose la question, est-ce qu'on a le bon modèle ? Qui souhaite répondre ? Est-ce qu'en France, on a le bon modèle ? Est-ce qu'on peut se rapprocher de l'Autriche ? Est-ce qu'on a la possibilité ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Question ouverte. On a voulu développer nos stations très rapidement en faisant de la défiscalisation auprès de particuliers. Ce qui a permis sur des cycles de 10, 15, 20 ans de pouvoir avoir beaucoup de lits. Mais dès que les gens ont fini de rembourser leurs emprunts, ils reprennent l'hébergement et ils le gardent pour leurs loisirs personnels. Et un lit, enfin un appartement qui était loué 12 à 14 semaines dans un circuit professionnel, une fois que le propriétaire le reprend et le loue pour payer ses charges, on tombe à 4 à 5 semaines de location. Donc on perd énormément de valeur et de possibilités. Donc nous devons trouver un système, j'ai fait des propositions à M. le ministre écrites, pour permettre à des ensembles d'acteurs locaux de porter des ensembles immobiliers qu'on ne vende plus à la découpe appartement par appartement, pour que ça reste des outils de travail, des stations sur le long terme. On veut faire du développement durable. On ne veut pas reconstruire tous les 10 ans ce qu'on a déjà construit pour compenser la perte. C'est un acte citoyen et de salut à long terme du développement de nos territoires. Merci. Je vous propose d'enchaîner sur la promotion, puisqu'on a un territoire magnifique. Il faut pouvoir le promouvoir. Alors, elle fait partie intégrante de la réussite de notre chiffre touristique. Pour cela, il faut des moyens et des outils. Louis Ferré, vous êtes maire de Bagnères-de-Luchon. Et depuis la loi NOTRe, on peut le dire, vous faites partie de ceux qui n'ont plus la main sur la promotion de votre territoire. Et ça vous pose problème. Vous allez en témoigner aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, je devrais être un maire heureux. Je devrais être un maire heureux parce que je suis à la tête d'une commune touristique qui a la chance d'être le bassin versant, j'ai envie de dire, de trois stations de ski, qui dispose d'une station thermale avec une fréquentation de 11 500 curistes par an, avec les plus hauts sommets des Pyrénées, les Pyrénées, la plus forte concentration. Voilà, on va se mettre d'accord. Des sommets pyrénéens, l'Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées, ça vous me l'enlèverez pas, qui est à proximité. Voilà, une clientèle qui est à la fois une clientèle de contemplatif, une clientèle de sportif avec le Tour de France qui nous visite régulièrement. Donc tout devrait aller très bien. Un office du tourisme qui est un office de première catégorie. Malheureusement, effectivement, la loi NOTRe est passée par là. Alors la loi NOTRe, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons été intégrés dans une communauté de communes, de 76 communes. 76 communes avec 97 délégués. Donc nous avons la chance d'avoir 10 délégués. Nous avons la chance également d'avoir un office du tourisme avec 20 membres du comité directeur, dans lequel nous pesons allègrement 3 voix. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on n'a plus voix au chapitre. Il y a un élu de Luchon, mais il se trouve qu'en plus, c'est un élu d'opposition, qui est vice-président. La mairie de Luchon, pas plus que les territoires alentours d'ailleurs, n'ont voix au chapitre et ne peuvent peser sur les décisions. Et donc, les incidences, elles sont quand même très lourdes parce qu'il y a la promotion touristique, j'y reviendrai, mais il y a aussi certains aspects. Faire de la promotion, c'est bien, mais encore faut-il que la clientèle trouve une offre à la hauteur. Et par exemple, pour ce qui concerne la randonnée, encore faut-il qu'elle trouve une offre de qualité au niveau des sentiers de randonnée. Ce n'est pas la priorité de notre communauté de communes, loin s'en faut. Donc aujourd'hui, on a des sentiers qui sont mal marqués et potentiellement dangereux. Donc ça, c'est une réalité. Un autre aspect, qui est un petit peu en marge, on va dire, la gestion des ordures ménagères. Nous avons une direction à la communauté de communes qui a décidé que ce devait être absolument uniforme. Donc quand nous avons 30 000 touristes l'été, 30 000 touristes l'hiver, quand nous avons 10 000
touristes les week-ends, ben, la gestion des ordures ménagères se fait exactement de la même façon qu'au mois de novembre, où il y a les 3000 habitants de Luchon qui sont entre eux, et, etc., etc. Donc là aussi, on se retrouve avec une offre qui est dégradée. Alors par rapport à la promotion touristique, donc notre office du tourisme, aujourd'hui, n'assure plus véritablement la promotion du territoire. Par exemple, nous avions un catalogue touristique qui était diffusé aux curistes, etc., etc. Ben, ce catalogue, il a été décidé récemment de ne plus le faire. Oh, c'est pas plus mal, parce que du coup, on fait une économie. L'an dernier, il a été fait, mais le catalogue été a été distribué à la fin avril. Donc très tard, sachant que les cures thermales, notamment, commencent au mois de mars. Il y a également une chose aussi, c'est que l'Office du tourisme semble être une variable d'ajustement financière. Et il a été décidé de réduire le nombre de personnel de façon drastique. Alors on avait notamment à un moment donné un directeur adjoint. Aujourd'hui on a un directeur adjoint à mi-temps pour un office du tourisme de première catégorie. Et là aussi je m'inquiète beaucoup parce que l'office du tourisme il est en première catégorie. Mais aujourd'hui il est en situation de reclassement. Et à ma connaissance rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Alors, moi, je ne veux pas accabler mes collègues de la communauté de communes. Hein, c'est pas mon propos. La difficulté... Non, alors, ce que je tiens à dire, en plus, c'est que j'ai toujours défendu les communautés de communes et l'esprit communautaire. Et voilà. On aura M. Chegaray qui va nous donner un bon exemple juste après vous. Les choses sont claires, mais je pense que la difficulté qui se pose, c'est que, en fait, les élus des territoires, qui ne sont pas d'ailleurs des territoires de montagne à proprement parler, qui ne sont pas des territoires touristiques, n'ont pas vraiment pris conscience de ce qu'était le tourisme. Et en fait, tout à l'heure, j'ai entendu une chose qui disait le tourisme, c'est considéré comme un acquis. Alors, on nous dit, oui, c'est la priorité, c'est l'axe fort du territoire, de l'économie du territoire. Oui, c'est une réalité. Mais le problème, c'est considéré comme un acquis. Et les investissements en matière touristique sont considérés comme des charges et non pas des investissements. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux élus de notre territoire. Et on se retrouve, du coup, avec une grande difficulté. Alors, bien entendu... on n'est pas resté les bras ballants par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, si on continue à descendre, ça va être une chute infernale qui ne s'arrêtera jamais. Alors, on s'est mis à travailler avec d'autres élus du territoire, et on se retrouve des fois dans des situations, monsieur le ministre, qui sont un petit peu aberrantes. Je veux dire par là que, pour faire face, des fois, à l'abandon de compétences par la communauté de communes, qui les renvoie aux communes, quand ça s'arrange pas, on les renvoie aux communes, ben, on se retrouve démunis, parce que les syndicats, on n'y a plus droit. On ne peut plus les faire, on ne peut plus faire de six voies, on ne peut plus faire de six vues. Et alors, moi j'ai des services à la mairie qui se grattent la tête pour savoir comment ils peuvent contourner la loi, créer des ententes de communes pour faire en sorte que persiste cette solidarité entre les communes et que des compétences qui rendent des services à la population, qui rendent des services aussi en termes de promotion touristique, puissent également être mis en œuvre. Et puis, par rapport à la promotion touristique, moi j'ai de la chance. J'ai de la chance, c'est que nous avons un établissement thermal et également un établissement de remise en forme qui sont en régie municipale. Donc, comme on n'a plus la compétence, ce que l'on fait aujourd'hui, et c'est vrai qu'on contourne là aussi, on assure la promotion de notre territoire par le biais de ces établissements-là. Alors, je trouve que c'est quand même dramatique parce qu'on n'a plus les moyens. On n'a plus la taxe de séjour. La taxe de séjour, c'est la communauté de communes qui la capte. Donc, on le fait sur nos propres moyens, sachant que est passée par là quand même la baisse des dotations. Pour ce qui me concerne, c'est grosso modo 10% du budget de fonctionnement, une paille, et que, cerise sur le gâteau, comme nous avions joué, pas moi, mes prédécesseurs avaient joué la carte de la solidarité, et je ne les en blâme pas, en faisant en sorte que la dotation aux communes touristiques ne soit pas versée directement aux communes, mais qu'elle passe par le biais de syndicats, la loi NOTRe étant passée par là, nous avons eu la grande joie d'apprendre au mois d'août, enfin de découvrir, pas d'apprendre, de découvrir au mois d'août que la dotation aux communes touristiques n'était plus versée aux communes. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on doit faire face, on doit assurer la promotion du territoire, donc avec 10% du budget de fonctionnement en moins et plus de dotation aux communes touristiques. Alors ça, c'est quand même une grosse difficulté. Je voudrais dire juste deux choses. Oui, très rapidement. Merci. Je voudrais dire deux choses par rapport au...
justement à la problématique des moteurs de ski. Alors, je ne voudrais pas jouer les élus malheureux, parce qu'on a aussi une chance par ailleurs, c'est qu'on a le département de la Haute-Garonne qui a décidé de s'engager dans les stations de ski, et notamment, ça a permis aux petites stations de ski de mettre en place un phénomène de lissage et d'avoir à disposition donc, des moniteurs de ski quand ils en ont besoin, donc qui sont transférés des autres stations. Et juste pour terminer, un petit clin d'œil, Marie-Noëlle Battistel a dit que souvent, les moniteurs de ski étaient aussi agriculteurs, donc ça sur de l'emploi. Ils sont même parfois maires. Merci beaucoup, monsieur Ferré. Jean-René Tchégaray, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes président de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Et vous, vous êtes en quelque sorte, on va dire, le contre-exemple de la situation vécue par Louis Ferré. Vous, communauté d'agglomération du Pays Basque, née en 2017, si mes chiffres sont bons, réunit 158 communes, 300 000 habitants, une communauté d'agglomération XXL qui se porte bien. Alors, oui, écoutez, moi, nous on trouve que la communauté d'agglomération, c'était un avis beaucoup trop petit pour le Pays Basque, qui avait des ambitions bien différentes et bien plus importantes que celle d'avoir cet outil qui est un outil de droit commun et qui ne correspond pas exactement aux ambitions du territoire. Je le dis au passage, c'est quand même pas le sujet de notre rencontre. Alors, par contre, mon collègue a posé de véritables questions. Et moi que je comprends parfaitement, lorsque vous êtes maire d'une commune touristique comme la sienne, que parce que la loi NOTRe est passée par là, il l'a dit, il se retrouve confronté à des difficultés de gouvernance, parce que ce sont des problèmes de gouvernance qu'il a évoqués tout à l'heure, à savoir comment puis-je avoir la main désormais, alors sauf les régies dont je dispose dans ma commune et que je vais conserver, mais quelle action puis-je avoir alors même que je n'ai plus que 3 représentants sur les 20 membres au sein de ce qui est le comité de direction de cet office du tourisme. Alors, oui, nous avons dans ce pays, monsieur le ministre, mais je l'ai dit aussi à madame Gouraud, des vrais problèmes de gouvernance. Aujourd'hui, le code général des collectivités territoriales, ce que vous dites est complètement vrai, n'est pas du tout adapté aux situations des communes. Alors ici, 76 communes, c'est beaucoup aussi, c'est moins que 158 certes, mais c'est beaucoup. Et voilà ce type de difficulté que la loi actuellement au Sénat, n'est-ce pas, monsieur le sénateur, puisque vous trouvez suivez ce dossier de très près, qui est engagement et proximité, a normalement pour vocation de venir régler un certain nombre de lourdeurs que nous avons, de blocages qui existent dans nos institutions, dont celle-là, c'est-à-dire un maire qui vient dire « mais moi j'ai plus d'action possible, ça se passe chez moi et je ne peux plus agir sur l'action touristique ». Alors, je ne vais pas vous dire que tout marche bien au Pays Basque, mais tout de même, nous avons une situation très diversifiée au Pays Basque en ce qui concerne le tourisme. On a un tourisme littoral que tout le monde connaît, et puis il y a un tourisme de l'intérieur que on le connaît moins. Et le pari que nous avons fait, nous, à la communauté d'agglomération Pays Basque, c'est de faire en sorte que le tourisme soit l'affaire de tous et qu'on puisse favoriser l'itinérance, c'est-à-dire la découverte de l'ensemble du Pays Basque. Si vous arrivez, parce qu'à tout France vous amènera à le faire par Biarritz, très bien. Et nous avons, et toujours avec le même sénateur Barry-Brisson, travaillé à l'image et à faire avancer ce dossier d'Atout France pour faire en sorte que Biarritz soit la marque à l'international, pour bien sûr vanter la marque Biarritz Pays Basque. C'est parce qu'il faut aussi, dans nos territoires, savoir reconnaître les potentialités des uns et des autres. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que si on est arrivé à Biarritz, ou à Anglette, ou à Saint-Jean-de-Luz, ou à Andaille, enfin bref, sur la côte, il faut encore inciter les personnes qui sont venues là à aller plus loin. Et on tente de le faire. Et dans notre gouvernance, à la communauté d'agglomération Pays Basque, moi j'ai souhaité qu'il y ait 2 référents sur le tourisme. Un référent de la côte, c'est le maire de Biarritz, on dirait c'est naturel, donc Michel Venac, mais aussi un référent de l'intérieur, qui aurait dû d'ailleurs prendre la parole à ma place, mais qui se trouve être actuellement en déplacement à l'étranger. Et donc tous les deux avec 2 visions, à la fois différentes, mais très complémentaires, travaillent à faire avancer le dossier du tourisme. Alors, bien sûr que les choses ne sont pas simples, mais encore faut-il avoir un projet pour le territoire. Et nous, il se trouve que la montagne, pour les Pays Basques, c'est la montagne nourricière.
et que la montagne n'est pas une frontière. La montagne est un trait d'union entre le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud. Alors vous voyez poindre des éléments identitaires dans ce que je suis en train de dire, oui, peut-être. Mais nous avons aussi ce lien qui n'est pas seulement géographique, c'est celui de la langue avec l'euskara, et que lorsque des personnes qui n'ont aucune appétence pour cette langue, et ça peut parfaitement arriver, constatent ce que sont ces valeurs culturelles, eh bien, ils se rendent bien compte qu'il y a à l'intérieur des choses qu'on n'a pas sur la côte, indiscutablement. Et c'est de cela, sur cela qu'on travaille. Et puis en même temps, la montagne, elle est façonnée par l'homme, puisque depuis des millénaires, on assiste à une cohabitation qui était nécessaire, évidemment, entre les différents usages, le pastoralisme, nécessaire, les activités sportives de plein air, tout aussi nécessaire, beaucoup plus récente et moderne, certes, la forêt, qui est également une source considérable sur le plan économique. Enfin bref, nous avons au Pays Basque des spécificités dont on a voulu faire notre capitale, y compris d'ailleurs les terres indivises que nous avons dans le pays de Soul et en Cise aussi, puisque nous avons un régime juridique ici qui relève d'un usage du XVIe siècle et qui veut qu'on peut avoir une forme d'indivision sur ces terrains. Oui, mais en Soul, nous avons à Irati des chalets qui sont bien sûr fréquentés par des touristes et qui sont gérés par cette commission syndicale du pays de Soul. Alors, tout ça fait que lorsqu'on regarde aussi les chemins de Saint-Jacques, lorsque le GR 65, lorsqu'on regarde le GR 10, qui est la traversée des Pyrénées, si on prend le chemin de Saint-Jacques, le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port est parmi nous cet après-midi, il y a là-bas près de 60 000 personnes qui seront passées en 2019. 60 000 personnes. Alors, qui trouve bien sûr là des raisons spirituelles pour certains, plus culturelles pour d'autres, peu nous importe. Ils sont venus à Garassi, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et de là, ils vont ailleurs. Ceci explique certainement le fait, je vais terminer là-dessus, que nous ayons finalement, et j'avais demandé à mes services de préparer cela, et j'ai été moi-même surpris un petit peu par cette proportion, 16 500 lits touristiques déclarés dans la montagne basque. Alors il faut vous dire que sur les 158 communes du Pays basque, il y en a 111 qui sont en zone montagne. 111. 16 587 lits touristiques, alors j'ajoute déclarés. Vous savez bien, monsieur le ministre, que tout ne se déclare pas. Et pas qu'au Pays Basque. Mais enfin, plus on approche la frontière, plus les choses sont... Cela représente 21%, donc les lits dont je parle, 21% de la capacité d'hébergement du Pays Basque. C'est pas mal. Lorsqu'on regarde ce que le chemin de Saint-Jacques donc, véhicule, c'est le GR65, je l'ai dit il y a un instant, c'est 60 000 personnes en 2019 à peu près pour les chemins de Saint-Jacques à Saint-Jean-Pied-de-Port. Les meublés de tourisme déclarés représentent 27% de la capacité d'hébergement de la zone montagne. Enfin bref, nous avons des chiffres qui montrent, alors vous disiez tout à l'heure, cette déprise qui pouvait exister, mais c'est les régimes fiscaux de défiscalisation qui ont des effets pervers extraordinaires. On n'a pas vécu ça chez nous, parce que nous sommes au Pays Basque, certes, loin de la capitale, mais nous ne sommes pas en Outre-mer, ni en montagne, en tout cas dans la grande montagne. Et donc, aujourd'hui, je termine là-dessus, depuis le 1er octobre 2018, on a donc créé cet office, puisque c'était la date butoir pour, de la loi NOTRe, vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous avons créé cet office public communautaire, alors qui fonctionne avec quelques situations d'exception pour les communes, les stations classées, qui sont au nombre de 6, enfin 5 plus 1, qui effectivement se trouvent dans un régime un peu marginal, encore que pas tant que ça, puisqu'ils participent aussi à la politique communautaire. Et que nous avons, nous, à la communauté d'agglomération, le souci, au-delà de ce que fait l'Office du tourisme communautaire, à trouver une cohérence sur notre politique touristique. Alors, je vous dis des choses pour une institution qui est jeune.
Donc rien n'est fini. Loin s'en faut. Nous avons des problèmes. Je ne veux pas vous en parler pour que vous ayez le sentiment que tout va bien au Pays Basque. Mais bien sûr que nous avons des problèmes. On tente de les résoudre au fur et à mesure que nous avons à les régler. Mais enfin, moi, je vois que malgré tout, sur les 18 bureaux d'accueil touristiques à l'année, il y en a 9 qui sont en zone montagne. Et que ça, c'est encourageant. Ça veut donc dire que sur la question du tourisme, nous avons souhaité absolument faire le pari de ce tourisme vert, de ce tourisme de montagne, qui est aussi un tourisme patrimonial. Merci beaucoup, monsieur Jean-René Etchegaray. Je me retourne vers la salle. Est-ce que vous avez des questions? Alors, juste après vos interventions, on passera sur le volet environnemental avec monsieur Fergnaud de Suez. Alors, on y va, levez-vous. Oui, bonjour, je suis Laurent Inchospé, élu à Saint-Jean-Pied-de-Port et ancien président de l'Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je voudrais, monsieur le ministre, vous interpeller sur une aberration de la loi NOTRe, parce qu'on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, la destination Pays Basque est défendue par 2, voire 3 collectivités, la communauté d'agglo, mais aussi le département, toujours le département, puisque c'est une compétence partagée, voire la région qui défend aussi les couleurs du Pays Basque. Du coup, sur le plan opérationnel, et en plus on rajoute les stations classées qui aujourd'hui participent, mais c'est pas facile le voyant de l'intérieur. Juste pour vous dire, est-ce qu'à un moment, la loi NOTRe va être revue pour que enfin on n'est pas une compétence partagée du tourisme entre le département, la communauté d'agglo et la région, et enfin qu'on puisse travailler avec une collectivité déterminée pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous élus, mais aussi pour les professionnels qui ne savent pas où s'adresser en cas de besoin de création d'hôtels, de création de camping, puisque cette compétence est partagée depuis la loi NOTRe. Merci. Merci, monsieur. Une autre réaction? Oui, levez-vous, comme ça on vous voit. Le micro arrive. Je vous laisse vous présenter, monsieur. Bonjour. Mire Jean-Henri, donc je suis le maire de Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées et je représente ici l'Association nationale des maires des stations de montagne. Je voudrais réagir par rapport à la question précédente et par rapport au modèle économique, je crois que c'est important. Est-ce qu'on est sur le bon modèle économique? La question a été posée. Alors je crois qu'il faut insister sur que lorsqu'on nous compare à nos amis du Tyrol ou Suisse, etc., on n'est pas sur le même modèle économique. Alors la grande différence, elle est simple. Ces pays-là ont des hébergements qui sont des lits dits chauds, c'est-à-dire commercialisés, parce que ce sont des hôtels. Désolé, mais la France présente aujourd'hui beaucoup de lits froids, c'est-à-dire des résidences qui sont occupées partiellement ou très peu occupées et qui aujourd'hui, en termes de qualité notamment, bon, ne correspondent pas du tout à la clientèle française, à la clientèle européenne. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut faire avec ce qu'on a et la requalification de ces hébergements devient une priorité pour, je dirais, les réchauffer et revenir dans un circuit vertueux. La deuxième réaction, elle est par rapport aux classes de neige, parce que c'est vraiment un problème qui n'est pas nouveau. Ça fait 15 ans qu'au niveau de l'Association nationale, on essaie d'analyser les raisons de baisse de ces classes de neige, ou des classes de découverte d'ailleurs, et on constate que plusieurs facteurs sont évidemment contre un petit peu ces choses-là, mais elles viennent de deux choses. Les communes ou les départements émettrices qui étaient des communes qui finançaient toutes ces classes, ces choses-là ont disparu. L'action des enseignants aussi, qui est un élément déterminant, puisque vous le savez, pour partir en classe de neige ou en classe de découverte, il faut que ce soit présenté par un enseignant au travers d'un projet pédagogique. C'est des éléments qui sont évidemment déterminants. Et en dernier lieu, les stations touristiques d'accueil, avec des hébergements qui aujourd'hui sont remis en cause, beaucoup d'hébergements collectifs par rapport à des normes de sécurité, par rapport à des normes d'accessibilité. Tous ces éléments font qu'on a perdu beaucoup de classes de neige, de classes de découverte. Aujourd'hui, le combat des stations, notamment des stations de montagne, c'est de faire en sorte de conserver
ce qui aujourd'hui nous permet encore d'accueillir ces clientèles et surtout de créer des partenariats avec les départements ou les villes qui sont émettrices et notamment les grandes villes. Merci monsieur. Allez, une dernière réaction peut-être avant qu'on bascule sur le volet environnement. Oui, monsieur. Alors le micro arrive, monsieur. Et je vous laisserai vous présenter. Alors, il arrive sur votre gauche. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Jacques Pédouanta, je suis maire de Las, un petit village de 135 habitants, en Béarn, mes voisins du Pays Basque. Et je suis conseiller départemental et président de l'agence d'attractivité et de développement touristique. Et on partage cette tâche avec mon ami Max Brisson, qui est vice-président et sénateur et qui s'occupe plus particulièrement du Pays Basque. Deux, trois choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, enfin, tu le sais, Jean-René, combien j'ai été un farouche opposant de cette satanée loi NOTRe et de tout ce qu'elle a engendré et dont on ne mesure même pas encore les effets. Parce que, alors, monsieur le ministre, qu'on veut tous de la proximité avec nos élus, eh bien, la loi NOTRe, c'est l'inverse de la proximité. On ne sait plus réellement qui fait quoi. Et moi, bon, j'espère, Jean-René, que la magnifique communauté de communes du Pays Basque est vouée à un destin magnifique. Mais ce n'est pas moi l'idée que je me fais de l'aménagement du territoire et de la proximité des élus avec leurs citoyens. Mais après, tout est respectable et il n'y a pas de problème avec ça. C'est fait, le mal est fait, j'ai envie de dire. Et ceux qui voudront y revenir, ça sera quand même extrêmement compliqué. Mais enfin, je trouve que le mal est fait et ces grands ensembles ne font qu'un peu plus diluer qui fait quoi. Alors déjà que les citoyens ne nous connaissent pas toujours et ne savent pas qui fait quoi. Alors là, chapeau, on est des champions et on en a rajouté et on va en rajouter encore. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à la question de Laurent Chospé, sur le qui fait quoi entre le partage des eaux, la région, de quoi elle est responsable, les communautés de communes, nous, département, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour qui veut bien y regarder, d'abord je veux dire qu'il y a une bonne collaboration entre les services de la région, les services de ta communauté, Jean-René Tchégaray, et les autres communautés de communes. Et nous, au département, on arrive à s'y retrouver. Alors c'est peut-être un peu plus difficile pour les professionnels, mais d'une manière générale, bon, ben, la région s'occupe de tout ce qui est export au-delà des frontières de la France, parce que nous, on n'est pas taillé et on ne peut pas le faire. Encore qu'avec la marque Biarritz Pays Basque, on a là de nouvelles opportunités qui se créent. Et dans la collaboration qu'on peut avoir, nous, département, avec les communautés de communes et les techniciens responsables d'offices de tourisme, on arrive à peu près à s'y retrouver et à travailler ensemble. Dieu merci, parce que sinon, les professionnels seraient complètement perdus autour de ça. Et dernier point, en fait, que je veux dire, j'ai terminé. Merci, c'est gentil. Dernier point, je veux dire que le tourisme, c'est pas si simple que ça, et on ne peut pas tant le compartimenter que ça. Moi, je suis un élu de la plaine, mais je ne suis pas propriétaire de mes touristes. Et aucun de nous n'est propriétaire de ces touristes. Et je crois, monsieur le ministre, que dans tout ça, on a besoin de la souplesse. Parce que les touristes, les visiteurs qui viennent dans mon village, ou dans la plaine, dans la vallée du Gave dans laquelle on est, mais heureusement qu'ils vont se promener du côté de la passerelle d'Olsarte. Heureusement qu'ils vont passer une journée à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, parce qu'ils ont envie d'aller voir à quoi ressemble la mer. S'ils sont un peu cathos, ils vont aller aussi faire un brin de prière à Lourdes. Et c'est ça la vie. C'est ça la vraie vie touristique de l'offre touristique. Alors forcément, nous élus, on est tous corsetés avec des élections. On est élus d'un territoire. Oh là 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 là. Mais les touristes, et on est tous touristes dans cette salle, ils s'en foutent de tout ça, mais alors complètement. Moi ils ne savent même pas que je suis conseiller départemental, maire, et c'est bien ainsi. Donc j'ai fini tout ça pour vous dire que c'est pas aussi simple que ça. J'étais hier soir à Lourdes avec l'adjointe du maire de Lourdes, où on est en train d'élaborer des collaborations avec la cité, et le maire de Lourdes de me dire, mais effectivement qu'il faut qu'on ouvre le spectre, les trains.
les charters low cost qui arrivent à Tarbes et qui viennent séjourner à Lourdes, ben, après la prière, la grotte et le cierge et acheter Bernadette, ils ont besoin d'aller un peu voir le Guggenheim, éventuellement. Ils ont besoin de passer en Espagne. Ils ont besoin de venir en Pays Basque. Ils ont de venir en Béarn. Ils ont besoin de découvrir la montagne et vice-versa. C'est ça, la vraie vie touristique de nos vallées et de la montagne. Merci. Et ici, vous avez un formidable exemple avec l'écotourisme de la vallée d'Irati, où là, vous avez une personne qui mène les choses remarquablement bien et qui fait un boulot formidable. Merci, merci. Monsieur, merci. Non, passez le micro. Passez le micro, monsieur. Alors, monsieur, s'il vous plaît, mais vraiment, mais encore vraiment, vraiment court. Je savais qu'en prenant la parole, il serait très long. Je vais faire très court. Robert Casadebé, maire de la Reims, qui va accueillir le Tour de France en 2020 pour la deuxième fois. Et félicitations. Un peu de pub pour la vallée d'Ossau, ça fait pas de mal. Simplement, je voudrais dire deux petites choses. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur la loi NOTRe. J'ai ma conviction, j'entends beaucoup de douleurs. Je peux en partager beaucoup. Moi, je voudrais revenir sur une suggestion que j'aurais à faire, monsieur le ministre, sur les propos d'Alexandre Molin tout à l'heure, à travers un exemple qui m'est propre sur le site touristique d'Artoust, avec une reconversion industrielle que nous avions évoquée lors d'un congrès de l'ANEM, d'une table ronde, les barrages hydroélectriques, un train touristique qui a accueilli cet été 100 000 visiteurs, quand même pas rien, et puis un site touristique hivernal, petite station. Où est-ce que je veux en venir? Vous avez parlé, Alexandre Molin, de la problématique d'Elie, touristique. J'ai tenté, je suis maire depuis 2008, élu depuis 2001, j'ai tenté à plusieurs reprises de faire venir des investisseurs privés. Nous avons une autorisation de construction de 2000 lits, nous en sommes à 700, il en manque 1300. Un gros investisseur privé était venu, on avait trouvé le gestionnaire de l'hébergement pour bâtir un projet de 400 lits. Cet investisseur privé a abandonné, c'était le deuxième ou le troisième, un investisseur privé qui est quelque chose d'assez costaud, avec un gestionnaire qui est assez costaud également. Il est allé se tourner vers des partenaires financiers pour l'accompagner dans ce projet de construction de 400 ou 500 lits. Il n'a pas trouvé l'appui qu'il aurait souhaité. Et la suggestion que je voudrais faire, monsieur le ministre, est de rebondir sur le propos d'Alexandre Molin. Je pense que la problématique de la qualité touristique de l'offre en montagne passe par la reconquête d'un hébergement de qualité et d'accompagnement des investisseurs privés. Et je pense que l'État, comme l'a dit, le président de DSF, je pense que l'État devrait être force de proposition et d'accompagnement avec qui, je ne sais pas, est-ce que c'est la Banque des Territoires, est-ce que c'est quels organismes financiers, pour accompagner nos investisseurs privés à construire ces lits dont nous avons besoin pour faire cette attractivité, pour faire cette promotion qui est la conséquence de la construction de ces lits qui nous manque tant. Je m'arrête là, je suis court. Merci infiniment, monsieur. Une réaction, monsieur Molin. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Ça fait partie des propositions de comment trouver. Parce qu'aujourd'hui, si on se retourne vers la CDC, ils veulent autant de rentabilité que n'importe quel financier. Ce qui ne nous permet pas, dans des stations de taille moyenne, de pouvoir répondre à leurs attentes. Et après, je vais revenir sur la loi NOTRe, dans les aberrations. Aujourd'hui, on oblige à se regrouper des communes parce qu'elles n'ont pas le classement de communes touristiques. Je prends l'exemple d'une station que j'exploite, Saint-Jean-d'Arve, dans la vallée de la Maurienne. Ils ont tout pour être communes touristiques, sauf qu'ils ont zéro chambre d'hôtel. On est encore sur de la classification administrative. Une commune qui fait 20 millions de chiffres d'affaires sur l'activité ski n'a pas le droit de garder son office de tourisme parce qu'il lui manque quoi ? Une chambre d'hôtel, c'est une aberration. Merci. Allez, je vous propose de passer sur la question environnementale. Garder la main sur la promotion de son territoire, c'est aussi important pour le protéger. Vous serez bien d'accord avec moi. On le voit, le changement climatique a des impacts. Ceux qui vivent et travaillent au pays connaissent leur territoire et ont à cœur de le préserver. Préserver à la fois leur lieu d'habitation et leur outil de travail. Benjamin Fernieux, vous êtes directeur commercial France des relations institutionnelles de Suez. Et vous allez nous prouver que l'environnement peut être aussi un levier et un atout pour le territoire. Merci à tous. Je pense qu'on attend surtout l'intervention et la conclusion de monsieur le ministre, donc je vais être extrêmement court. Je pense qu'on a parlé d'environnement déjà, et un peu tout le monde finalement a parlé d'environnement. Ce que je retiens, c'est qu'on veut un tourisme rentable, mais aussi un tourisme durable. C'est les propos qui ont été tenus par les uns et par les autres. Donc assurer le développement du tourisme en montagne
et en même temps s'adapter à cet enjeu majeur du changement climatique, en effet. On oppose souvent d'ailleurs tourisme et environnement, alors que finalement l'environnement, mais je pense que vous le vivez tous, ça peut être un atout, ça peut être un label, ça peut être un outil d'attractivité pour vos territoires et partenaires que nous sommes de vos développements. On essaye de répondre à vos côtés, à vos soucis. Ces soucis sont de quelle nature ? Chez Suez, on a deux métiers, enfin plusieurs, mais deux métiers majeurs. Vous les connaissez, l'eau, l'assainissement d'un côté et les déchets de l'autre. En montagne particulièrement, alors la montagne, c'est un capital acquis, mais ô combien fragile, qui doit relever un défi, qui est le défi de la ressource en eau. Vous le savez tous, il n'y a pas de nappe phréatique en montagne. Ça n'existe pas. Et pourtant, vous avez des flux de touristes, qui font que dans les périodes les plus importantes, la consommation peut doubler, tripler. Je prends un exemple, aux deux Alpes que nous exploitons, la consommation est multipliée par 6. Au Ménuire Val Thorens que nous exploitons, la population augmente de 17 fois. La charge qui nous appartient à vos côtés, c'est de pouvoir adapter cette variabilité des flux touristiques et donc de concilier à vos côtés les différents usages de l'eau. Alors les différents usages de l'eau, c'est quoi ? C'est évidemment l'eau que nous consommons, c'est l'eau qui sert à la culture de l'endaigement, et puis c'est l'eau qui sert avant tout à l'agriculture. Quand on prend une situation comme Font-Romeu, par exemple, sur le nombre de mètres cubes produits, 10 millions de mètres cubes partent à l'agriculture. 600 000 à l'eau potable et 600 000 pour la culture de neige. Notre responsabilité à nous, Suez, au niveau de la production d'eau potable et donc de la distribution, c'est de vous accompagner sur ces sujets-là, d'accompagner ces multi-usages de l'eau. Même chose sur les retenues d'eau. Alors c'est un gros mot peut-être, mais en montagne, je ne crois pas. Je crois que c'est une urgence. D'ailleurs, le gouvernement a considéré, après ces périodes de stress hydrique, de sécheresse profonde dans de nombreuses zones de France, dans de nombreux départements, que c'était un sujet majeur que de développer ces retenues d'eau. On a notamment, mais je me fixais sur Font-Romeu, vous allez me dire, mais on a réalisé à Font-Romeu un lac artificiel de 13 millions de mètres cubes d'eau. De toute pièce, lac artificiel. De la même façon, à vos côtés, on essaye de réfléchir à des systèmes d'interconnexion pour vous éviter d'avoir à construire des usines particulièrement onéreuses, particulièrement coûteuses. Je vais faire un petit clin d'œil à Jean-René. Et en effet, ce sont des usines qui méritent de lourds investissements et à l'échelle des agglomérations. À l'échelle des grosses intercommunalités, ce sont parfois des investissements qui peuvent être portés plus facilement qu'à des échelles un peu plus petites. De la même façon, alors là je profite de la présence des parlementaires, la réutilisation des eaux usées traitées. Alors c'est un dada, c'est un serpent de mer. Quand on passe les Pyrénées, hein, on n'y est pas loin. En Espagne, on arrose les champs de tomates avec de l'eau usée traitée. En France, c'est interdit. Alors je le comprends sur des sujets alimentaires, mais au moins sur une partie du nettoyage, de l'arrosage, l'arrosage des golfs. On vient d'avoir une expérimentation à Agde. C'est possible, c'est faisable. Ça nous a mis 10 ans. Mais on a réussi à développer cette possibilité qui est une expérimentation en France, mais qu'on pousse à être développée. Et puis il y a d'autres systèmes intelligents de gestion en temps réel en fonction des augmentations de population. Un petit mot des déchets, sinon je ne serai pas totalement dans mon rôle. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup plu, beaucoup plu, négativement en tout cas. L'association Mountain Rider
a fait une étude, je pense que vous la connaissez, qui a montré que sous un télésiège, quand la neige fond, on peut retrouver jusqu'à 30 000 mégots. Et c'est aberrant, vous allez me dire, ce n'est pas un geste citoyen, c'est incroyable, mais il y a évidemment une part de sensibilisation à avoir, il y a des possibilités, il y a des services, il y a des offres possibles. Même chose, je rebondis sur la présence des parlementaires, et je leur lance un petit appel. Je pense qu'il est utile d'harmoniser... Une chose simple, ce sont les bacs de tri. En gros, quand vous êtes vacancier, vous arrivez dans une zone qui n'est plus la vôtre habituellement, et finalement, le bac qui était vert, bleu, jaune, marron, etc. chez vous, est jaune, vert, bleu, marron, mais pas avec le même déchet, en montagne ou ailleurs, d'ailleurs. C'est un truc simple, assez facile, et ça permet quand même de faciliter le geste de tri pour l'ensemble des vacanciers. Je ne parle pas des bandes d'apport volontaires, je ne parle pas des déchetteries mobiles, mais juste ce geste-là, juste cette application qui finalement est assez pareil, assez simple, n'est pas appliquée. Voilà, je ne serai pas plus long, mais juste pour vous sensibiliser sur des sujets sur lesquels finalement, d'ores et déjà, nous vous accompagnons. Merci beaucoup. Oui, une réaction, Madame Matistel. Oui, peut-être pour compléter un peu, mais je ne me permettrai pas de compléter, mais pour orienter finalement sur le tourisme, parce que quelquefois on peut se dire, bah, finalement la production, qu'est-ce qu'elle a à voir ici, voilà. Sauf que si c'était, enfin l'hydroélectricité, puisqu'on en parle ici, était un vecteur d'industrialisation de nos vallées il y a un certain nombre d'années, aujourd'hui c'est vraiment un vecteur d'aménagement du territoire, à la fois en termes de production, mais de gestion du multi-usage de l'eau, et on a des tas de retenues qui ont des bases nautiques et qui sont directement liées aux touristes, et donc les producteurs sont effectivement les partenaires touristiques et des acteurs tels que les élus ou les différents régies qui tournent autour de ça. Donc c'est vrai que c'est extrêmement aussi important de pouvoir faire le lien de manière quotidienne pour que ces aménagements puissent servir à la fois à l'agriculture, et ça c'est une règle, elle le fait, et au multi-usage de l'eau. Alors on a bien noté vos différentes questions. Alors la réutilisation des eaux usées, je crois qu'il y a des tentatives qui sont en cours, donc effectivement moi j'y suis plutôt favorable. Puis alors après sur le bac de tri, je laisserai sûrement le ministre régler. C'est vrai que c'est un peu une aberration qu'à chaque fois qu'on change de ville, on change de couleur, et que finalement tout le monde se dédouane en disant bah, j'y comprends rien, donc en fait je mets tout dans le même, et puis on n'avance pas beaucoup sur le tri. Mais bon, là j'ai pas la solution miracle, c'est peut-être quelque chose de totalement réglementaire. Mais en tout cas, je voulais vraiment faire ce lien aussi entre l'activité de production et le tourisme, parce que c'est extrêmement lié à l'activité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Nous allons passer aux conclusions, monsieur le ministre. Ah, vous souhaitiez répondre, excusez-moi. Juste une seconde, rapidement. Pourquoi j'en ai profité? Parce que vous êtes en plein examen du projet de loi économie circulaire. Voilà, la boucle est bouclée. Monsieur le ministre. Bien, madame la présidente, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs, chers amis, les parlementaires, les maires, les conseils départementaux, régionaux, élus, grand plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Il y a quelques jours, on était effectivement avec Domaines skiables de France à Besançon. On a déjà pas mal parlé des problématiques de la montagne. Et je dois dire que, pour ma part, je ne suis pas intervenu avant dans le débat parce que c'est très intéressant également pour moi de me nourrir de vos expériences les uns et les autres. Tout simplement parce qu'on a un certain nombre de travaux en cours qui vont aboutir prochainement, et je vais y venir très vite. Et donc, avoir également vos suggestions, vos propositions est pour nous très précieux. Je dois dire que, en l'occurrence, sur ces sujets parfois complexes, il faut, je pense, s'en remettre à ce que j'appellerais le GBSP. C'est une méthode qui s'appelle le gros bon sens paysan. Et c'est quelque chose qui, en général, marche plutôt pas mal. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça rejoint d'ailleurs une méthode que le président de la République nous a demandé de mettre en œuvre dans cet acte 2, qui est basée autour de trois mots-clés. Proximité. Et ce mot est revenu régulièrement. Humanité, parce que on doit prendre en compte la situation des gens telle qu'elle est, et efficacité, parce qu'il y a besoin, eh bien, que les politiques fonctionnent aient des résultats. Et quand Alex Molin évoquait par exemple un certain nombre de dispositifs fiscaux qui n'avaient pas fait leur preuve, puisque on se retrouve 15-20 ans plus tard avec des lits froids,
on doit revisiter un certain nombre de politiques. Alors, tout ça pour dire qu'on ne doit pas rester les deux pieds dans le même sabot, parce que, certes, la France, on peut se dire cocorico, première destination pour les touristes internationaux, sauf que on a vu que pour le touriste de montagne, eh ben, on avait rétrogradé de place. Les Autrichiens sont passés devant nous et on ne peut pas se résoudre à cela. On a été, enfin, je veux dire, on est quand même en termes de domaine skiable, on a 8000 km, on a pas loin de 400 stations. Bref, vous connaissez tout ça par cœur. Et ça veut dire qu'on doit d'autant plus innover, donner les moyens, vous donner les moyens, en fait, de développer les activités, de les diversifier. Et de ce point de vue-là, l'État, il accompagne, il crée un cadre, mais les collectivités ont encore très largement la main, ça a été rappelé, puisque la compétence, elle est ultra partagée, et ça avait été un choix à l'époque du Parlement lors de l'examen de la loi NOTRe, parce que aussi tout le monde était attaché à conserver cette compétence tourisme, et je crois qu'elle peut, dans la vraie vie, en fait, globalement, pas mal s'articuler dès lors qu'il y a là aussi du bon sens. Je pense que finalement les départements et les régions maintenant sont assez bien coordonnés. La région élabore un schéma régional, elle entend ce que disent les départements, on s'adresse peut-être pas toujours au même public, les régions vont plutôt effectivement au grand international, les départements vont plutôt rester à l'échelle nationale ou européenne, et puis après on va revenir naturellement au binôme commune-intercommunalité, parce que s'agissant des territoires de montagne, c'est très important. Alors peut-être pour reprendre un petit peu ce qui était dit, et pardon d'être peut-être un peu long, mais il y a eu énormément de choses et beaucoup de richesses dans les propos. On est parti du constat et du tableau dressé par Frédéric, un objectif de 100 millions de touristes internationaux. Mais je veux qu'on soit très clair, l'objectif, il n'est pas non plus que quantitatif, et je crois qu'il faut tout de suite se dire que le tourisme, il sera durable ou il ne sera plus. Et qu'en réalité, ce qui compte d'ailleurs, c'est bien plus les retombées en termes de chiffre d'affaires et des dépenses faites par ces touristes, plutôt que de vouloir en collectionner des dizaines de millions, mais qui dépensent peu. Parce qu'on a un souci qui est de préserver nos paysages, de préserver nos patrimoines, et qu'un certain nombre de... à l'étranger, on le voit, Venise, Barcelone, etc., peuvent être soumis à une sorte de surtourisme, et nous ne voulons pas ça, je pense, on est un grand nombre à ne pas vouloir cette surconsommation. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une consommation qui soit raisonnable, mais qui apporte au territoire, en matière d'emploi notamment. Donc, effectivement, le durable doit aller de pair avec le rentable, et vice-versa. Frédéric évoquait l'observation. C'est vrai qu'on a besoin de bien observer pour, après, prendre les bonnes décisions. Quel segment de marché on attaque, comment on y va, comment on fait de la promotion, etc. Et sur l'observation, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que, hélas, on est un petit peu en retard par rapport à ce que font y compris nos voisins espagnols. Et il faut prendre garde parce qu'ils sont très efficaces dans bien des domaines en matière de tourisme. Et donc on est en train de revoir du sol au plafond le système d'observation. Pour l'instant, naturellement, l'INSEE intervient, mais on a toutes les statistiques un an plus tard. Alors, c'est facile pour préparer la saison d'après, hein, quand vous y êtes déjà. Donc on est en train de revoir ça du sol au plafond, y compris avec les régions, qui pour certaines avaient abandonné leur système d'observation, pour qu'on puisse avoir des données plus fiables et répondre à ta question de travailler sur des statistiques qui sont véritablement, qui permettent de prendre les bonnes décisions. Ensuite, les sujets d'emploi ont été évoqués. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se résoudre. Moi, chacun de mes déplacements sur le terrain, j'entends notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, le problème de recrutement. Dans la montagne, on a aussi les problèmes liés effectivement aux saisonniers. Et on ne peut pas se résoudre à cela. Et je veux tirer mon chapeau à Frédéric parce qu'elle a fait une mission formidable sur justement l'emploi et la formation dans le secteur du tourisme. Et suite à son rapport, nous avons pris un certain nombre de décisions autour du Premier ministre pour tordre le cou à cette fatalité d'une offre et d'une demande qui ne se rencontrent pas, ou parfois même d'un certain nombre de nos jeunes, et je salue parce qu'il y a des jeunes ici là, qui sont, je crois, au lycée CHR à proximité, ici, et bien qui, hélas,
travaille 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le secteur, et puis après passe à autre chose, parce que c'est vrai que c'est très exigeant, mais en même temps, moi, je considère que c'est des secteurs... on prend l'escalier social. Hein. Vous commencez justement chef de rang, quelques années plus tard, vous cuisinez, quelques années plus tard, vous ouvrez votre établissement. Bref, il y a véritablement de belles opportunités. Mais on a besoin de les fidéliser. Et donc, de ce point de vue-là, on est en train vraiment de mettre toutes les filières ensemble. Il y a un gros travail pour que les différentes filières touristiques dialoguent entre elles. Et c'est en train de se concrétiser à travers notamment la mise en place d'un comité de filière tourisme qui va voir le jour et qui va faire que vraiment entre les hôteliers, les restaurateurs, l'événementiel, les remontées et autres, tout le monde va aller dans le même sens et ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Les territoires naturellement seront associés. Tu évoquais le tourisme industriel, tu parles d'or. Le tourisme de savoir-faire, je crois que ça fait partie de nos pépites. Et c'est valable d'ailleurs à la fois pour des EPV, ces entreprises du patrimoine vivant qui peuvent être artisanales et dont le nom, dont la marque est connue dans le monde entier et dont la découverte des ateliers peut également être un vecteur formidable pour attirer des touristes qui veulent découvrir l'authenticité. Des femmes, des hommes, un savoir-faire et des produits qui rayonnent dans le monde entier. Donc je crois qu'on est tout à fait là-dessus et on encourage d'ailleurs l'association nationale qui s'est structurée autour du tourisme de savoir-faire. Je les ai accueillis au Quai d'Orsay il y a quelques jours et on a un vrai plan de match pour... Et je peux dire même d'ailleurs que la France est pionnière. On est pionnier en Europe et on tient à garder ce côté pionnier parce que l'un d'entre vous évoquait les visites d'une grosse infrastructure hydroélectrique. On voit que ça peut être conséquent le nombre de visiteurs. Et puis, c'est une chose de former, c'est une chose d'employer. En termes d'infrastructures, il y a les infrastructures d'hébergement. Et effectivement, on n'arrivera à rien si sur l'hébergement, on n'arrive pas d'ailleurs à avoir une vision complémentaire. Il ne faut pas opposer effectivement le réchauffement de lit froid avec la création de nouveaux lits. Je crois que de ce point de vue-là, il faut être très pragmatique. Et je trouve que les réflexions qui ont été mises sur la table sont très vertueuses. Parce que l'idée, c'est finalement faire en sorte que quand il y a un immobilier qui sort de terre, il soit durable, au sens où c'est pas de la découpe et du coup il y a une pérennité dans la gestion et il y a une visibilité pour les stations, pour les communes et de ce point de vue là toutes les propositions faites seront étudiées par le Conseil national de la montagne. Jacqueline a dû vous le dire tout à l'heure, qui se réunira le 22 novembre dans les Vosges et c'est pourquoi, pour préparer ce CNM, moi j'avais vraiment tenu à ce que depuis un an on travaille au sein d'une instance qu'on a créée, c'est ce comité stratégique du tourisme de montagne, parce qu'il n'y avait pas d'instance pour y réfléchir. Et donc chacun cogitait dans son coin. Et là, avec Joël Giraud, qui est en plus le président de la commission permanente, du coup, et puis un grand nombre d'entre vous, on a pu travailler avec DSF aussi, avec la NSM, avec des représentants de l'ANEM. Et ça va préparer donc des décisions que le Premier ministre va prendre au CNM pour favoriser notamment les investissements en matière d'hébergement. Après, une fois qu'on a un toit, qu'on a de l'accueil, qu'on a des hommes et des femmes qui sont là pour faire que tout se passe bien, on a besoin effectivement de former, je dirais, les générations à venir. On le sait, il y a des pays qui ont réussi à remettre leurs jeunes sur les skis. Je prends toujours cet exemple, c'est la République tchèque, par exemple. Eh bien, d'ailleurs, c'est pas un hasard si les Tchèques sont très nombreux sur nos domaines skiables, parce qu'il y a vraiment eu un volontarisme du gouvernement, un volontarisme de l'éducation nationale là-bas. Et donc, nous, on doit s'en inspirer. Ça fait partie des échanges réguliers que j'ai avec Jean-Michel Blanquer. Et là aussi, on a une mission qui est en train de se terminer. Donc, des décisions vont arriver très vite maintenant, d'ici la fin novembre, une mission qui a été confiée à Pascal Fontenelle-Personne, qui est député sur le tourisme pour tous, le tourisme social, parce que, comme vous, on ne peut pas se résoudre au fait que disparaissent de plus en plus ces classes de neige, ces classes vertes, et il y a un certain nombre de freins à lever. Une responsabilité très lourde qui pèse sur les épaules effectivement des organisateurs, de l'enseignant, et donc il faut réfléchir à des aspects un peu de garantie mutualisée. Par ailleurs, il y a aussi les créneaux des vacances scolaires qui sont
à revoir pour l'année prochaine. J'ai porté le message à Jean-Michel Blanquer parce que les décisions sur cette année ne sont pas très favorables à la montagne avec le décalage d'une semaine. Et de ce point de vue-là, Jean-Michel Blanquer m'a assuré qu'il était d'accord pour revoir, en tous les cas pour étudier cette révision, parce que heureusement la décision n'a été prise que pour un an, alors qu'avant on était en triannuel. Donc pour les années à venir, tout reste ouvert et sachez qu'une réunion se tiendra prochainement avec ses équipes sur le sujet. Alors, était évoqué également le sujet effectivement des chiens de protection, les patous, et j'entends bien ce qui est dit. Je voulais signaler que l'Assemblée nationale a lancé un travail, une mission qui devrait rendre ses conclusions en janvier, justement avec des réflexions conduites par la Commission des affaires économiques de mémoire, et donc on sera très attentifs. Je sais qu'il y a l'aspect formation qui est évoqué, mais tout ça, tout est dans tout. C'est aussi lié naturellement au sujet loup, ours qui ont été évoqués et pour lesquels je crois qu'Elisabeth Borne a pris l'engagement de recevoir le comité directeur de l'ANEM pour pouvoir travailler dessus. Donc je n'irai pas plus dessus parce que c'est pas le sujet sur lequel je suis moi en charge directement. Éric Brecht a évoqué le discours positif. Oui, parce qu'effectivement, on voit qu'on est challengé, qu'il y a de la concurrence, mais... Vache, qu'est-ce qu'on a comme atout quand même. Je veux dire, on parlait de ces milliers de kilomètres de pistes, de ces paysages, et puis de ces histoires, de ces sagas qui ont été construites autour des stations et que vous perpétuez en tant qu'élu. Et je crois que on doit absolument ne pas regarder, enfin ne pas se mettre sous Prozac, parce que en réalité, on a vraiment des atouts pour rebondir, mais à nous de créer le contexte et l'environnement réglementaire, fiscal, financier, budgétaire, pour que vous puissiez avoir les outils. Et quand je parle d'environnement réglementaire, ça me fait une transition avec ces sujets de loi NOTRe. Alors là, je vais vous dire, les amis, justement, on a bien vu, parce que nous, on a hérité de ça. On a hérité de loi MAPTAM, loi NOTRe, etc. Depuis 10 ans, les gouvernements n'ont eu de cesse que de vouloir faire du plus c'est gros, mieux c'est. En tous les cas, nous, ce qu'on souhaite, à travers la loi engagement de proximité, c'est remettre de la souplesse. Et je le dis aux parlementaires, faites-vous plaisir, hein, parce que je voyais ce matin Sébastien Lecornu, nous étions au Sénat sur deux textes différents, lui et moi. L'idée, c'est vraiment d'être aussi sur du bon sens. Et de ce point de vue-là, sur le tourisme, on a mis un article 6 dans la loi qui permet de répondre, je pense en partie, à votre sujet, puisque les stations classées pourront à nouveau reprendre la compétence promotion du tourisme. Et donc, ça veut dire aussi le fait de pouvoir avoir son office, de faire sa promotion. Et ça, c'était important parce que c'était une demande. Et c'était, au-delà d'être une demande et d'être une revendication, c'était tout simplement... un problème. Tu évoquais le cas d'une station qui ne pouvait plus avoir la maîtrise de la promotion de sa destination. Et je crois que l'article 6 de la loi engagement de proximité apporte une vraie réponse. Et là aussi, si les choses vous semblent être perfectibles, on est prêt à regarder. Mais ça, c'est une réponse très concrète au sujet de la promotion qui était évoquée. Et s'agissant des syndicats, parce que c'était un petit peu plus large aussi, c'est vrai que les syndicats, moi je trouve qu'il y a 5-6 ans, on leur a trop injustement jeté la pierre. Les syndicats, c'est quand même globalement, je veux dire, ça coûte pas cher aux contribuables. Les élus, ils sont là, ils se donnent beaucoup de mal, que ce soit pour gérer, il fut un temps, justement, ce qui était haut, parfois, ou scolaire, etc. Et je pense que les syndicats peuvent avoir un vrai rôle et peuvent être très positifs en termes de gestion des deniers publics et qu'il ne faut pas, il faut pas leur jeter la pierre. Sur les sujets réglementaires, on est ouvert aux propositions. Le texte fait la navette. Il sera le 8 novembre, je le dis pour les députés, je crois, en commission. Et puis, ce sera la séance publique. Mais ce qui nous a guidés, ça a vraiment été le fait de redonner de la souplesse et aller vers la proximité. Donc, je retiens de tous ces échanges qu'il y a cette attente, d'avoir la capacité d'agir quand elle avait été enlevée. On a essayé d'y répondre à travers la loi. Il y a cette attente d'avoir des outils. Et là aussi, vous évoquiez effectivement le besoin d'accompagnement pour monter des projets lourds. Je crois que la Banque des Territoires est là. Et de fait, la Caisse des dépôts s'est engagée pour 500 millions d'euros sur 5 ans
pour accompagner les projets touristiques, mais nous leur avons dit et nous leur redisons, ça ne doit pas seulement aller à des gros projets, parce que ça doit également aller à des projets de taille plus modeste, parce qu'encore une fois, j'entendais le cas où il y avait une demande autour de 400 lits, il faut aussi répondre à cette demande-là, et pas seulement être, encore une fois, sur les 3-4 poids lourds du secteur, on a besoin de drainer sur l'ensemble des territoires, et c'est bien le message qu'on va leur faire passer. En tous les cas, il y a quand même cet engagement de 500 millions d'euros sur 5 ans, et je pense qu'il faut vraiment s'en emparer, et je vais vous dire, le plus simple, soyons concrets, si vous avez des dossiers sur lesquels vous avez des difficultés, moi je donne bien volontiers mon adresse mail parce que tout m'arrive et au moins ça me permet derrière de pousser. Donc je vais vous la donner à la fin de la table ronde, de telle sorte que on puisse au maximum vous aider, vous accompagner, parce qu'il n'y a pas de mystère. Si la France est numéro un, c'est parce qu'il y a des destinations qui attirent. Et si ces destinations attirent, c'est parce qu'à la base, il y a des prestataires touristiques et des élus et des professionnels eh bien, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui font ce qu'ils peuvent pour justement avoir et maintenir ces joyaux et ces pépites. Voilà, je ne suis pas beaucoup plus long, donc n'hésitez pas, on continue à dialoguer d'ailleurs tout à l'heure. Et sinon, l'adresse mail, c'est simple, c'est jean-baptiste.lemoine@diplomatie.gouv.fr et je regarde tout. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous tous, à tous les intervenants. Merci à vous. J'ai quelques messages à vous donner. La convention entre l'ANEM et Suez va être signée avec monsieur Fergnaud sous le chapiteau. Donc, je vous invite à rejoindre le chapiteau. Il y a un bus à 19h qui part d'ici, qui va au Ralaï, au marché couvert, à votre convenance. Ralaï, pardon, excusez-moi pour l'accent. Comment on dit ? Halalai. Bon, écoutez, laissez-moi, je vais dormir là-dessus. Et puis, n'oubliez pas, à 20h30, le dîner de gala. Excusez-moi pour mon accent déplorable. Merci infiniment pour votre participation. On se retrouve demain. Ne ratez pas la table ronde sur le pastoralisme. Ouais.